What's up tout le monde, c'est Tony, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto survie. Comment partir un feu en étant en survie. Voilà, donc on va vous montrer comment faire quand vous êtes en mode survie. Mettons, vous avez un lighter sur vous, mais vous n'avez pas de papier, admettons. En gros général, vous n'avez pas de papier, vous avez des allumettes ou de conneries. Je vais prendre un lighter, c'est plus simple. Donc, on se retrouve pour, voilà, un tuto survie. Mon premier de la chaîne. Donc là, j'ai déjà un espace feu. Déjà, avec déjà du feu parce que on a fait un feu tantôt. Donc, ça va être plus facile pour moi de démarrer. Mais bref, il y a des moustiques en terre, donc on se retrouve pour ça. Voilà. Donc, en gros, les gens qui me voient en noir, pour faire gros, ça prend l'écorce de bouleau. Des brindilles. Ça, c'est très, très, très utile. Dans le moustique. Ça prend des petites branches de même comme des sapins. Donc, on fout ça dans le milieu. Donc, normalement, il faut faire un petit pied. Avec des branches. Du coup, je vous montre un peu qu'est-ce que ça a de là. Donc là, désolé pour le truc gris. Donc là, du coup, normalement, tu mets ça comme ça. Tu prends des branches et tu fais un petit tipi. Voilà. Donc, on fait un tipi en branches. Donc, c'est aussi simple que ça. On fait ça comme ça. Donc, là, je prends des petites brindilles qui sont à côté de moi. Voilà. Voilà. Ça. Donc, c'est bien important, les gens, de prendre des brindilles, de mettre ça ensemble et de vous monter une structure en tipi parce que c'est ça qui va mieux aider. Maintenant, on va faire comme si j'étais en survie. Et on va prendre le lighter. Voilà, c'est parti. Normalement, ça, c'est de la bonne brindille. Si jamais vous en trouvez, c'est assez bien. Donc, voilà. On va souffler maintenant. Donc voilà, ça s'allume, vous pouvez voir, c'est comme ça, et là vous laissez brûler, vous mettez des brindilles, et c'est tout simple que ça, vous avez un beau petit feu, pour pas cher. Donc là je vais pas trop l'alimenter parce que je resterai pas longtemps dehors, mais voilà, vous avez un beau 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 petit feu. Donc voilà les gens, c'est ce qui conclut cette tuto survie facile sur comment faire un feu dans le bois. Il y a aussi une autre survie qui s'en vient. C'était Tony et on se dit à la prochaine. She in.